Il y a 5 ans, la Vendée comptait 2 tireurs à l'arbalète. Aujourd'hui, ils sont une douzaine à participer à ce concours départemental d'arbalète field IR900. 4 clubs sont représentés, Saint-Hilaire-d'Aurier, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les participants s'affrontent sur 3 distances, 35, 50 et 65 mètres. Une pratique plutôt récente qui vient s'ajouter aux 16 disciplines que regroupe le tir sportif. 5e volet. C'est une discipline qui est assez nouvelle, qui se développe énormément, puisqu'en fait on n'est pas obligé d'avoir de détention d'armes. Ces armes sont en vente libre. Et donc on peut pratiquer le loisir. Le seul handicap après, c'est d'avoir la place pour le faire. Parce qu'on est sur des disciplines, donc en IR 900, qui commence à 35 mètres et qui va jusqu'à 65 mètres, donc proche du tir à l'arc en fait. Qualificatif pour les épreuves régionales, la compétition est organisée par le club local sur les bords de Sèvres. Un cadre idéal pour une pratique où les notions de plaisir et de convivialité tiennent une grande place. C'est un peu plus ludique que le tir proprement dit pur et dur, car nous nous déplaçons après chaque volet de flèche. Nous travaillons en auto-arbitrage, c'est-à-dire que les tireurs relèvent eux-mêmes leurs points sous le contrôle d'autres tireurs. Donc ça crée une symbiose qui permet d'avoir une convivialité dans cette discipline qui n'existe pas dans d'autres. Le département comptabilise 9 clubs de tir sur son territoire, des clubs qui ont le vent en poupe puisque le nombre de licenciés est passé de 860 l'an passé à plus de 980 cette année. Tir au pistolet, à la carabine, arbalète ou encore arme ancienne, les possibilités sont larges et les licenciés pratiquent souvent plusieurs de ces activités. Il y a tout un tas de disciplines et on ne se cantonne pas à une seule discipline. C'est assez varié parce qu'une discipline va se dérouler dans la saison sur les championnats sur 2-3 mois. Alors sur la saison sportive, on va pouvoir pratiquer plusieurs disciplines tout au long de la saison. La saison 10 mètres s'est terminée en février. Là, on commence la saison arbalète field. Et puis, dans 8 jours, on commence également la saison des écoles de tir. À force de travail, les résultats commencent à tomber, notamment chez les jeunes. Steve Bignot du club de tir fontenaisien s'est placé dans les 10 premiers du championnat de France sur 18 mètres l'an passé.